Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les goûters de rentrée avec la recette des briochettes aux pépites de chocolat. Alors vous le verrez, elles sont toutes moelleuses, généreusement garnies de pépites de chocolat. Elles sont très faciles à réaliser, il n'y a rien de compliqué, ça demande juste un petit peu de temps. J'espère que ma recette vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on contrôle la température du lait. Il faut que celui-ci soit tiède, mais sans dépasser les 50 degrés, sinon cela va tuer votre levure. Ici, je suis à 35 degrés. On ajoute ensuite la levure déshydratée au lait tiède. Et on mélange bien pendant une minute pour l'incorporer. On laisse reposer le mélange 10 minutes. Puis dans un récipient, on met les deux œufs que l'on bat avec une fourchette. Puis on prélèvera 25 g d'œufs battus que l'on pèse avec une balance pour la dorure des brioches. On garde bien les 75 g restants pour la pâte à brioche. Puis vous ajouterez la crème liquide aux 25 g d'œufs battus. Et on mélange bien le tout. On filme la préparation, puis on réserve au frigo. C'est la dorure de nos futures brioches. Puis on prépare la pâte à brioche. Alors dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre et le sel. On mélange le tout. Puis on creuse un puits au centre. On y verse alors le mélange, les levures et les 75 g d'œufs battus. Si on travaille alors la pâte avec le pétrin du robot, il faudra pétrir pendant une dizaine de minutes jusqu'à obtenir une boule de pâte bien homogène qui se détache un petit peu des parois du bol. Quand la pâte est bien homogène, on ajoutera le beurre mou coupé en petits dés à température ambiante. Et on pétrit encore une dizaine de minutes pour incorporer totalement le beurre à la pâte. Elle doit être souple, élastique et bien homogène. La pâte est prête. On forme alors une boule bien ronde que l'on réserve dans un saladier. Puis on couvre de film alimentaire percé. Et on laissera lever la pâte à température ambiante pendant environ 1h30 à 2h. Après repos, la pâte a bien doublé de volume, on retire alors le film alimentaire. Puis on dégaze avec le poing pour chasser l'air. On rassemble la pâte avec une corne pour former à nouveau une boule. Puis on couvre de film alimentaire au contact. Et on réserve la pâte 2 heures au frigo. Après repos, on retire à nouveau le film alimentaire.
Puis on dégaze la pâte, alors vous le voyez, elle est beaucoup plus ferme, on aura ainsi plus de facilité à la travailler. On forme à nouveau une jolie boule. Puis on pèse notre pâte à l'aide d'une balance. Alors ici, la mienne fait 442 grammes. Et on la divise ensuite en 8 portions d'environ 55 grammes chacune. Pour façonner nos petites brioches, on prend un pâton que l'on aplatit sur le plan de travail. Puis on garnit généreusement la surface de pépites de chocolat. On appuie un petit peu pour enfoncer les pépites dans la pâte. Puis on rassemble les extrémités pour former une petite boule. On aplatit à nouveau. Et on rassemble à nouveau notre pâte avant de bouler sur le plan de travail. Voici ce que l'on doit obtenir. Puis on réserve les brioches sur une plaque à pâtisserie en les espaçant suffisamment. On couvre alors d'un torchon propre et on les laissera lever pendant environ 45 minutes à 1 heure à température ambiante. Après repos, les petites brioches ont bien gonflé, on les badigeonne alors de dorure avec un pinceau. Et je parsème généreusement le dessus des brioches de pépites de chocolat. Alors sur les 200 g de pépites de chocolat prévues pour la recette, j'en avais conservé 50 g pour décorer les brioches. Voici ce que l'on obtient. On préchauffera alors notre four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 13 à 14 minutes de cuisson. Les brioches doivent être dorées. Enfin, à la sortie du four, on les laissera refroidir sur une grille et on pourra déguster. Et voilà, la recette est terminée. Bonne dégustation! Les briochettes sont terminées, n'oubliez pas les petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.